Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, nous sommes le 1er octobre et c'est la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous pouvez la prier, elle exauce beaucoup de prières, elle est formidable. Voilà, aujourd'hui on va regarder pour Marine Le Pen, qui est en procès actuellement pour détournement de fonds. Elle risque entre 5 à 10 ans de prison et elle peut être aussi dans l'impossibilité de se présenter au présidentiel en 2027. Alors, on va regarder pour elle ce qui va se passer. Alors, je vais le faire d'abord avec le jeu de 32. En même temps, je vais vous expliquer comment on fait. C'est une femme entre 50 ans et 60 ans. Elle est seule, enfin, apparemment. C'est ce qu'on peut voir, ou même si elle ne serait pas seule. On va la prendre en dame de pique. Alors, vous voyez, quand vous faites, par exemple, votre mari, ben, vous le prenez en roi de cœur. Si vous faites le voisin, ben, vous le prenez en roi de trèfle. Ou si vous avez un penchant pour lui, vous le prenez en roi de cœur. Mais, alors, Marine Le Pen, voilà, la voilà ici en dame de pique. On va regarder si son procès actuel là, qui est en train de se passer, je crois qu'il se passe en ce moment. Hein. Si son passé actuellement, il y a des cartes à l'envers, il y a une grande joie quand même dans les cartes à l'envers. Est-ce que Marine Le Pen va s'en sortir de ce procès car elle est accusée de détournement de fonds? C'est quand même grave, quand même. Moi, je pense qu'ils veulent l'éliminer des fois qu'elle passerait en 2027, vous voyez. Alors ici, la voilà là, en dame de trèfle, et qu'est-ce qu'on lui annonce? C'est une certitude. Donc c'est bien une certitude qu'elle est en procès actuellement. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, bah, écoutez, j'espère que vous avez le soleil, parce que nous, on a un temps des plus pourris qui existent. Il est 11h du matin, j'ai la lumière d'allumer. On ne voit pas grand-chose, j'espère que la vidéo est nette. Voilà, donc ça, c'est Marine. Et on va regarder pour elle, est-ce qu'elle va se sortir de ce jugement? Est-ce qu'elle va être, comme on pourrait dire, acquittée, elle va sortir sans rien. Est-ce qu'elle risque de faire de la prison? Est-ce qu'elle va être en brasse électronique? Et est-ce qu'elle va pouvoir se présenter aux élections présidentielles de 2027? Alors, Marine. Alors, déjà, en 32, on devrait voir quelque chose. Marine Le Pen. Moi, je donne son nom. Hein. Marine Le Pen dans sa maison. On en a nouvelle, avec certitude. En même temps, je vous apprends le 32. Dans sa maison, Marine Le Pen, ça c'est le facteur, vous en avez nouvelles avec certitude. Mais bien sûr qu'on va en avoir nouvelles, parce que de toute façon, ils vont nous le dire, vos infos. Elle s'en sort avec le 9 de cœur, qui représente ici beaucoup d'amour. Mais ça peut représenter, comme c'est un procès, une victoire, un triomphe. Et c'est à ses pensées. Elle le sait déjà. Elle se défend bien. Est-ce que Marine Le Pen va pouvoir se présenter au présidentiel, et est-ce qu'elle va aller peut-être en prison? On en a nouvelle, parce que cette carte, je vous l'avais dit quand je vous expliquais le 32, et cette carte, pour moi, c'est la même carte. C'est pareil. Donc, on en a nouvelle. Un roi de carreau, c'est un homme qui porte une tenue, ça peut être un avocat. Où c'est situé, c'est un avocat pour moi. Un avocat l'aide, ici le voilà là, homme de loi. Un homme de loi va l'aider. C'est un homme de loi qui connaît très très bien son métier, qui connaît très très bien les ficelles du métier. Elle est accusée, je vous dis, de détournement de fonds. Et là, vous avez une grande joie pour elle avec le 8. Donc normalement, elle s'en sort. Il y a quelqu'un quand même qui lui tire dans les pattes, qui est haut placé. Je ne sais pas qui c'est. Ça, vous voyez, ça pourrait être Vanderbra. Ça pourrait être un truc qui est fait déjà d'avance pour pouvoir la saquer, pour pouvoir la couper. Il ne pourra pas qu'elle se présente. Mais normalement, elle s'en sort. Je fais un troisième tour. Est-ce que Madame Le Pen, Marine Le Pen, va s'en sortir de son procès? La revoilà là en dame de trèfle. Décision à prendre importante pour les avocats. Ce n'est pas facile pour eux. Ils plaident quelque chose qui n'est pas facile. Mais ici, on lui annonce quelque chose. Ça, si vous voulez, le... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ça, si vous voulez, c'est le valet de cœur. C'est quelqu'un qui offre des fleurs, quelqu'un qui offre de l'amour, quelqu'un qui offre quelque chose avec réussite. Donc, son avocat, c'est assez compliqué, mais à la fin, il s'en sort avec réussite. C'est pour elle. Elle a des papiers de signer, des contrats de fait. Normalement, elle s'en sort, cette femme. Normalement, elle n'est pas accusée, ou il y a un non-lieu, ou il y a quelque chose qui se passe, mais normalement, elle s'en sort. Je ne vois pas ni de prison, ni de problème, mais ça me fait quand même peur au niveau des élections présidentielles. Peut-être qu'ils veulent la saquer pour pas qu'elle se représente. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder avec le Béline. Béline, mon cher Béline. Oh, Béline, dis-moi que je suis la plus belle. Non, mais ce matin, je plaisante. Alors, avec le Béline, est-ce que Madame Marine Le Pen
va être accusée de détournement de fonds et va-t-elle aller en prison ou va-t-elle tout simplement ne plus pouvoir se présenter aux élections présidentielles? De toute façon, elle a son poulain. Hein. Elle a son petit poulain, Jordan. Et si vous avez une élévation, c'est une très belle carte avec le soleil. Et là, vous avez le cloître. Elle risque la prison quand même. Vous voyez, on le voit ici. Est-ce que Madame Marine Le Pen va se retrouver en prison pour détournement de fonds? Est-ce que Marine Le Pen, là je la capte bien, va-t-elle se retrouver en prison pour détournement de fonds? En centre de jeu, vous avez ici le trafic des va-et-vient. Bon, mais bien sûr, elle va, elle vient, elle se bat avec ses avocats, fait ce qu'elle peut ici. Beaucoup d'amour ici. Un triomphe avec Vénus en protection, Vénus ici avec la paix. Elle trouve la paix. Pour l'instant, la paix est à l'envers. Pour moi, elle est en face pour vous, mais pour moi, elle est à l'envers. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Alors, on aura son héritage et la beauté. Normalement, cette femme, elle s'en sort. D'après les cartes, elle s'en sort, et tant mieux. Est-ce qu'elle va pouvoir se présenter aux élections présidentielles? Vous avez ma berger qui va vous faire un coucou. Ma berger qui a eu 10 ans il y a deux jours et qui est en pleine forme. Alors, ça représente la table, mais dans le Béline, ça peut représenter les urnes. C'est une urne aussi. Donc là, vous avez la réponse. Est-ce que Madame Marine Le Pen va pouvoir se présenter aux élections présidentielles de 2027? Vous avez les urnes, vous avez Vénus, normalement, oui. Normalement, oui. Dans sa maison, le soleil brille, elle s'en sort et on en a une nouvelle avec un triomphe. Ici, vous avez la couronne, nouvelle avec un triomphe, tant mieux. Oui, tant mieux, oui, tant mieux. Moi, je l'aime bien, Marine Le Pen. Alors, je ne suis pas, je fais pas de politique, mais moi, je l'aime bien, cette femme. Je trouve qu'elle a des bonnes idées et si on l'avait écoutée depuis le début, on n'en serait peut-être pas là. Je le dis, je l'ai dit. Non, mais c'est ce que je pense, moi, mais après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Et tant mieux pour vous. Pensez ce que vous voulez. On nous l'annonce, cette paix, avec des plaisirs de la vie retournés. C'est-à-dire que ça l'ennuie quand même. C'est pas facile pour elle. Elle n'a pas des grands plaisirs, mais elle a quand même les plaisirs quand même. On nous l'annonce sous un retard. Donc elle va s'en sortir. Normalement, elle s'en sort. Elle a un très, très, très bon avocat. Allez, Marine Le Pen, trois cartes. Marine Le Pen. Non, non, mais c'est vrai que dans les plus pourris, c'est encore elle la mieux. Donc actuellement, elle est un pied et main liés, mais à l'envers. Ça veut dire qu'elle a la chance de pouvoir se délier. Elle se délie des choses mauvaises. Ici, elle a la sagesse avec elle et la protection. Donc tant mieux, puisqu'elle a toujours la couronne. Et pensée amitié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont quand même pour elle. Donc normalement, cette femme devrait s'en sortir. Je ne vois pas de problème de prison. Je ne vois pas de bracelet électronique. Et elle pourra se représenter aux élections présidentielles. Voilà. C'était mon petit tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de soleil. Je vous souhaite le soleil parce que vraiment là, c'est vraiment triste. Ça nous fait un petit peu un temps de tous. Hein. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Des gros bisous à tous. Je vous aime. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Et je vous retrouve demain. Bisous à demain.